Bonne journée, bonne nuit à toi et paix. Oui, la paix de Dieu est en toi. L'amour de Dieu t'habite. Je suis content de t'accueillir, toi qui es la graisse de Dieu, le contenant de Dieu. Ouh! Mais souvent, on est un contenant, un réservoir bien fissuré. Notre vie n'est pas toujours... Alors Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau. Il y en a des, on va en parler du fardeau. Et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug. C'est quoi le joug de Jésus? Et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Oups là, on est loin du Dieu méchant, vengeur, tout ça. Bon. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Bon, ça c'est Matthieu 11, versets 28, 29 et 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes culpabilisés, honteux. Je me souviens d'un monsieur, un bon monsieur qui était professeur, et puis qui portait, comme ça, qui vient se livrer à moi, puis qui avait fait de l'inceste. Voilà, c'est ça. Pas évident, hein? Culpabilité, honte, peur de la prison, peur que ça soit su. Mettez-en. Il y en a qui portent de lourds fardeaux, des enfants en prison, des enfants qui prennent de la drogue, qui vendent de la drogue, un mari qui boit, qui te bat. Venez à moi, vous tous qui portez un lourd fardeau. Tu es le contenant, tu es porteur d'infini. Mais il y a des couches épaisses et lourdes d'histoires du passé. Il dit, venez à mon école. Venez, je vous offre une thérapie. Et tout ça, c'est par la prière. La prière, ce n'est pas des mots qu'on dit, c'est la contemplation du don de Dieu. C'est par la lumière qui est au fond de toi que Jésus t'a donné, à travers la mort et la résurrection, sa victoire sur, au matin de Pâques. Cette lumière jaillit et évacue. Toutes ces couches de lourdeur psychologique, émotionnelle, sexuelle, sociologique, et voilà. Tu deviens une créature nouvelle. Tout ce qui est ancien est disparu, puis tout ce qui est nouveau, là, ça jaillit du fond de toi. Jésus, c'est une grosse boule d'amour. Le Père, c'est une grosse boule d'amour qui n'a qu'un désir, te servir. Et c'est pas pour rien qu'on verra que Jésus va laver les pieds de ses disciples, incluant Judas. Tout le monde. Pierre ne voulait pas. Il dit, Pierre, si tu ne te laisses pas laver, tu n'auras plus rien de moi. Tout l'Évangile et la préparation de Noël, c'est ça. C'est réaliser qu'il y a un trésor au fond de toi et que Jésus est disponible pour une thérapie au quotidien. Tu as juste à dire oui à son action. Oui à son action. Venez à moi, mettez-vous à mon école. Mon joug est léger. Quel est le joug? Aimez comme je vous ai aimé. Le joug que Jésus te propose, c'est d'aimer ton prochain, même s'il fait des choses désagréables. Aimer à mort, c'est tout. La personne est plus importante que ses erreurs. Ça, c'est la nouvelle alliance. La personne, ton enfant, est plus important que la drogue qu'il prend. Ton mari est plus important que son infidélité et tout le reste. Tout le monde devrait se voir comme ça. C'est ça, la nouvelle alliance, la Jérusalem nouvelle. Comprends? Alors, quelle prière on peut faire aujourd'hui? Peut-être simplement celle-ci. Je t'invite à te recueillir et simplement dire, Père, je dis oui à la thérapie d'amour de Jésus. Père, je dis oui à la thérapie d'amour de Jésus. Père, je dis oui à la thérapie d'amour de Jésus. Alléluia. Et je sais que les personnes sont touchées maintenant et certaines sont guéries. Père, merci pour ta gloire qui se manifeste à travers cette 11e journée de retraite. Père, sois glorifié. Père, sois glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que la puissance de l'Esprit Saint soit. Toi, tu es guéri. Et tu le sens. Amen, amen, amen. Tu as un commentaire, ben, tu peux aller sur le blog, pierrelacroix.com.
Voilà. Il y a une zone pour les commentaires. Alléluia. Merci de vos commentaires. Merci de votre soutien. Merci de vos petits cadeaux de Noël. Tout ça est apprécié au nom de Jésus. Merci, merci, merci. Il y a une boutique plein de CD pour acheter, vous faire un cadeau de Noël, etc., etc. Amen, 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 amen. Demain, tu seras là. Tu vas en parler à tes amis du net. Tu vas faire un peu de publicité. Super! À demain. Sois heureux.